Coucou, chers internautes, chers abonnés de Myriam de Jésus News TV. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 14 février 2022. Nous allons aujourd'hui vous parler de notre sœur Dena Moana, elle qui fait de la musique gospel. Alors, vous allez voir les images, vous allez suivre la louange et l'adoration selon notre sœur Dena Moana. Alors, toi qui n'es pas encore abonné sur Myriam de Jésus News TV, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi sur Myriam Jésus News TV et n'oublie pas de partager la vidéo et surtout n'oublie pas de liker. Alors, sans plus tarder, suivez la danse pour Jésus selon notre sœur Dena Moana. Ça donne ça. Qui est inspiré na fille moko kombo na ye Dena Moana. Dena Moana, oui. Dena Moana, chanteuse chrétienne. Chrétienne, ouais. Vraiment. Na pesi na mbote pa ya zali. Et puis na yebi na ko féliciter mais peut-être pour na ye ko zala tard mais pour na nga eza tard te parce que na découvert qui est tant ou moi sinanga zo landa musique religieuse. Na monde nga zo beta na tali à bêta acoustique au coup de ça il a marqué il était pour battre belé les lobes à comment on discutait n'a pas nombre de vues hein. Voilà. Mais hier à tout ça là bas 10 millions bas millions de vues bas 9 millions bas 15 millions mais n'a mon anante à ta émission morona n'a mon cannabiso à ta polémique non eh bas l'obé la que notre n'a la zali sousou mou mouté Naza mwana nzambe I'm no longer a slave to fear I am a child of God I am a child of God Oui. Je n'ai plus de raison d'avoir peur parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Christ est mort à la croix pour toi et moi. Alors ce soir, je suis venu te communiquer cette joie. Proclame avec moi, je n'ai plus peur parce que je suis un enfant de Dieu. Sois béni. Ateli bosona ngai molili bibale ngambo na ngambo nebio kosala nzela na mona pole oyo bato basalaka te posalaka yango yango motema na ngai etatuli yesu ozali nzambe batela motema na ngai yesu bilembo ekoki etikali moke toyemba ozana Oyo bato basalaka te, osalaka yango, yango motema na ngai etatoli, Yesu ozali nzambe, yo lipata etambwisaka,
Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, oui, ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tel est mon désir cet après-midi, ce matin. Je prie que quelqu'un fasse cette prière. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de ta ressemblance. Je veux te ressembler. Je veux ressembler à ce que tu veux que je ressemble. Je veux que ma vie ressemble à celle que toi tu as tracée pour moi. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tu me suffis, mon ami, tu me
je vis, mon ami est, mon ami, mon ami. Mon ami est, mon ami, mon ami. Depuis que je l'ai trouvé, j'ai une assurance ferme que rien, rien ne peut m'échapper. Le Seigneur te bénisse. Shalom à tous. Alors voilà, je suis venue partager une petite exhortation de 3 minutes. Que j'ai appelé le bruit extérieur. Alors voilà, cette exhortation tourne autour de l'histoire de Zacharie, qui est un prêtre, un sacrificateur, qui est entré dans le temple pour offrir au Seigneur de la part du peuple. Le peuple est à l'extérieur en train de l'attendre. Ce qui se passe, c'est que cette fois-là, le Seigneur lui parle, non pas pour le peuple, mais il lui parle pour lui. Il lui dit, je te donne un fils, et cet enfant va s'appeler Jean. On connaît tous l'histoire. Zacharie va douter un tout petit peu en se posant la question, mais comment cela se fera-t-il parce que je suis déjà âgé et cela ne plaît pas au Seigneur, il devient donc muet. Mais Zacharie va rentrer certainement parler de cette grâce particulière à sa femme qui est en ce moment-là une amie de la destinée. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que la femme tombe enceinte, ça veut dire qu'elle porte cette grâce que le Seigneur leur a donnée. Et voilà, le moment d'accouchement arrive, c'est là que le bruit extérieur va intervenir. Non seulement ça s'est accompli comme Dieu avait dit, mais ceux de l'extérieur, ceux qui n'étaient pas là quand le Seigneur a parlé, ceux qui n'étaient pas là quand le Seigneur a parlé à Zacharie, veulent donner le nom à cet enfant, ne sachant pas quel est le nom qui devait accompagner cette grâce que cet enfant était. Le Seigneur a dit, vous allez l'appeler Jean. Et quand la femme, qui était l'amie de la destinée, décide que l'enfant s'appelle Jean, ceux de l'extérieur disent, nous ne connaissons pas ce nom. Il n'y a personne dans la famille qui a porté ce nom avant, le bruit extérieur. Ça ressemble à ce que nous ne connaissons pas. Nous n'avons jamais entendu un enfant être appelé Jean dans la famille. Oui, mais c'est ce que le Seigneur a dit. Et voilà ce qui va se passer. Heureusement qu'il y a cette amie de la destinée qui est Élisabeth, qui insiste. Et donc, ils vont retourner vers le Père pour lui poser la question. Et là, il va rassembler sa foi pour dire, il va s'appeler Jean. Lui va recouvrer sa capacité de parler. Et le bruit extérieur va finalement se taire pour accepter ce que Dieu a relâché dans la vie de cette famille. Je suis venu te dire une chose. Quand le Seigneur a relâché une parole pour toi, même si cela ne ressemble pas à ce que tu connais, ne te permets pas d'ouvrir tes oreilles pour que le bruit extérieur puisse influencer ce que Dieu a dit dans ta vie. Telle a été ma contribution dans cette exhortation. Peut-être que tu as compris ça autrement, mais je suis simplement venu dire à un frère, à une sœur, ce soir, ferme tes oreilles au bruit extérieur et focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Que le Seigneur te bénisse. Wapinza mbena yo Neno lakana lolendo Yeswa zana bomoi Ateli bosona ngai molili Ibale ngambo na ngambo Nebi yoko salandela Namona pole Oyo bato basala kate Posala kayango Yango motema nangaye tatuli Yeswa zali zambe Batela motema nangaye Yesu Bilembo eko ki Et si calimoke, toyembozana, oyo bato basala kate, osala kayango, yango motema na N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.